Mais là, c'est le bonjour à tous les amis. Comment allez-vous? Vous allez bien? Tranquille. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce remède naturel. Je l'ai appelé remède presque parfait parce qu'il fait pratiquement tout. Donc c'est le remède idéal déjà pour l'hiver, pour déjà vous débarrasser de tout ce qui est toxine, tout ce qui est voilà tout ce qui est saleté, machin. Vous débarrasser de vos douleurs articulaires, etc. Donc voilà, il est constitué de graines de cresson, gingembre, ail et miel bio, bien sûr, de préférence si vous arrivez, sinon c'est pas grave. Donc ça donnera une texture comme ça, un peu comme genre de la compote. Voilà, donc voilà. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne pour ceux qui me rejoignent pour la première fois. Cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. La première cloche, bien sûr, pour recevoir mes nouvelles vidéos et de liker la vidéo ou de la partager si infinité. Donc voilà. Donc on va commencer. Bien sûr, dans cette vidéo, vous trouverez tous les bienfaits de l'ail, les bienfaits du gingembre, des graines de cresson, du miel bio et voilà. Dans l'immédiat, on va éplucher les gousses d'ail et puis après on va les râper. On fera la même chose pour le gingembre. Et puis, comme je vous ai dit, vous avez la documentation. Alors, on va parler un petit peu de tout ce qu'ils ont en commun, hein, tous ces aliments-là. Alors, on va prendre les graines de cresson, par exemple. Ils sont riches en vitamines et minéraux, anti-cancer, antibactériens, antiviral, diurétique, antioxydants, anti-inflammatoire, énergétique. Il augmente et active l'énergie du corps. Il y a plein de choses comme ça. En plus, il est bien pour les cheveux, pour les chutes de cheveux, les hémorroïdes, ceux qui ont des problèmes avec, et tout ce qui est constipation et tout ça. Il y a plein de choses. De toute façon, je vous ai tout mis là-dedans. Pour ce qui est de l'ail, c'est pareil. Cholestérol, bien sûr, les graines de cresson aussi, c'est bien contre le cholestérol. Diarrhée, mal de gorge, hypertension, douleur d'oreille, orgelée, piqûres d'insectes, rhume, grippe. Il y a plein de choses comme ça, franchement, qui sont, je veux dire, qui sont bien pour le corps. Ensuite, on a le miel aussi antibactérien contre les maux et maladies. Cicatrisant, calmant, anti-insomnie, anti-inflammatoire naturel, digestion, régénérant, soigne les plaies, la peau et les cheveux aussi. C'est bien pour les pellicules, le miel, mélangé à d'autres choses. Cholestérol, anti-acné, l'hypoglycémie, anti-pelliculaire naturel, renforce le système immunitaire. Tout ça, ils les ont en commun. Donc, bien sûr, j'en ai oublié un. Je retrouve plus ma fiche, mais bon, de toute façon, il y a tout dans la vidéo. Donc, comme je vous ai dit, moi, je l'ai testé, ce remède-là. Donc, vous n'avez rien à craindre. Sauf maintenant, si vous avez des allergies d'ail ou de graines graines de cresson, ou bien je veux dire, le gingembre. Voilà, c'est pas pour vous. Mais autrement, je veux dire, je l'ai essayé depuis déjà quelques mois, donc je me porte très bien crème d'huile là. Ça réchauffe le corps. Pour ceux qui sont frileux, c'est un bon remède, hein. Et puis ceux qui ont toujours froid, bah, frileux, bah, toujours ceux qui ont froid, qui vous débarrasse en fait de l'air qu'il y a dans les os. Voilà. Tout ce qui est rhumatisme, franchement, ça aide beaucoup. Et puis les douleurs articulaires, les constipations, que dis-je, plein de choses, plein de choses. De toute façon, vous avez tout dans la vidéo, vous avez qu'à essayer, vous allez vraiment voir tout ce qui est migraine aussi, plein de choses. Je ne peux pas tout dire en 5 minutes. Donc, bref, je vous ai mis la vidéo aussi pour ceux qui ont beaucoup de soucis de santé. Ce remède-là va vous aider vraiment à aller mieux et puis à commencer l'hiver tranquille. Donc voilà, à prendre
Le matin à jeun ou au milieu de semaine, c'est égal. Donc voilà. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre soutien. Salam alaikum.